un crucifix géant à l'entrée d'un supermarché. Depuis quelques années, avant le dimanche des Rameaux, les étals de ce genre se multiplient. Pour ces palmes tressées, il faudra débourser 4 euros. Une tradition religieuse devenue également commerciale. Mais apparemment, les clients ne se bousculent pas. Des fois, on nous reproche de vendre trop cher, parce que c'est vrai que d'un côté, on ne se rend pas compte du travail que ça demande. Mais c'est vrai que des fois, on nous fait la réflexion, oui, c'est un peu cher, ou des fois, à l'église, on nous les donne. Mais bon, après, voilà, il faut... Comme on dit, tout travail mérite salaire. Mais les fameuses crouchettes, c'est encore avant tout dans les églises qu'on les fabrique. Un patrimoine où les élèves du catéchisme sont mis à contribution. Vous tournez votre croix, enfin, le début de la croix. Souvent, les rameaux sont fabriqués avec du buis ou de l'olivier. Mais en Corse, par tradition, on utilise des palmes. Reste à maîtriser la technique. Au début, on ne comprend pas trop, mais après, dès qu'on sait le faire, c'est facile. Donc toi, tu penses que c'est quand même important d'être là pour plus tard? Ben oui, c'est que si après, il y a personne qui enseigne le savoir et ça va se perdre. Et tu sais à quoi ça va servir? Non. Heureusement, aujourd'hui, ce n'est pas juste un atelier pratique. Et les confrères de patrimoine sont aussi là pour enseigner aux enfants du village la signification des rameaux, le début de la passion du Christ. Pour symboliser l'entrée de Jésus dans Jérusalem, donc... autour des palmes, autour de l'olivier. On présentera ça le jour de la messe pour les faire bénir et pour protéger toute l'année le chrétien. Les rameaux ce dimanche, c'est le point de départ de la Semaine Sainte. Un moment majeur de l'année religieuse en Corse. Et une tradition qui n'est pas prête de disparaître. Apparemment, la relève est assurée.